ça veut pas dire quoi? Ça veut pas dire qu'il a désobéi à son Dieu, non. Mais en fait, c'est quoi? C'est mon soeur qui ne pas là. Nous ne sommes pas contraints à qui contraint, pas contraint là. C'est quoi? C'est une obéissance. Donc, en fait, une obéissance. C'est un ajout de compas. C'est un ajout de compas. Cette personne a ajouté le compas. Il n'est pas allé tout droit. Il a contourné. C'est comme ça. Il n'est pas allé tout droit. Tout droit, là, c'est ça la vérité qu'il devait dire là. C'est comme ça. Mais il n'a pas fait comme ça. Mais il a contourné. Ça va la contourner pour parler. Ça va contourner, c'est ça, c'est prendre un compas imaginaire et tracer un cercle. La tracer un cercle, comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est ça, c'est ce mensonge-là, en fait, c'est ça qui est. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est ce qu'on appelle vérité. Vérité. It là, c'est pour parler de quoi? It là, pour parler de kit. Vérifier, pour parler de quoi? Vérifier. Qui t'a vérifié? T là, pour parler d'accepter. Qui t'a vérifié pour accepter? Il faut accepter ça d'abord. Jusqu'à quoi? Jusqu'à preuve de contraire. C'est comme ça. C'est quand le contraire là, quand la preuve de contraire là est venue, quand on a la preuve de contraire, alors cette vérité là, c'est cette vérité. Et il devait mettre un mensonge. C'est ça, ce qu'on appelle vérité mensonge. C'est comme ça, et c'est ce que Dieu veut vous expliquer dans le Coran. Dans la sourate 13, verset 17 ou 18, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais c'est dans la sourate 13, le tonnerre. Dieu a parlé en parabole. C'est pas le faux, c'est pas le faux, le vrai. C'est pas la vérité, c'est pas le mensonge. Il a expliqué ça en parabole. C'est comme ça. C'est très important, il faut que vous le sachiez. C'est pour ça. Pour cela, lisez encore le cours la vérité. Lisez cet article-là, la vérité. C'est comme ça. La vérité, c'est quoi? Le mensonge peut être la vérité. Et ce mensonge qui est vérité, là, c'est ce mensonge qui est quoi qui est? Ce mensonge qu'on fait. Quand on est contraint, c'est ce monsieur là qu'on fait quand on est contraint. Et quand tu es sûr de quoi? Quand tu es sûr que quoi? Que la il n'aura pas plus de contraint, c'est comme ça. Là, c'est quoi? C'est ce monsieur devient une vérité. Maintenant, il va cesser d'être vérité. Quand quoi? Quand la peur du contraire, quand quelqu'un voit la peur du contraire, quand quelqu'un a prouvé que quoi? Que c'est faux, c'est comme ça. C'est ça la vie, c'est comme ça marche. La vie, c'est quoi? C'est le combat. Cette personne-là, il avait quoi? Il a contourné. Il n'a pas fait la place. Il n'est pas allé tout droit pour parler, mais il a contourné. Il avait quoi? Il a menti, il a contourné. C'est comme ça. C'est comme ça pour parler. C'est comme ça. Qui n'a jamais menti comme ça dans son monde? Il n'a pas. Pas rester, ne pas vivre, ne pas rester, ça c'est clair. Un méchant par exemple braque la main sur toi, la même physique sur toi, il te dit de faire quoi de. Tu vas mourir. Et tu vas rencontrer là-bas. Tu es
mais comme ça tu mes clients, c'est ce que vous ne savez pas, mais mes clients comme ça.